Bonjour à tous les Verseaux, bonjour les Verseaux. Je vais vous donner l'horoscope général pour les Verseaux ou ceux qui ont un soleil ou un ascendant ou la lune dans le signe du Verseau pour le mois de février 2013. Et si vous voulez une consultation privée, c'est possible, je vais vous donner le link ici au-dessus de ce vidéo. Mais en général, qu'est-ce qui se passe pour le signe du Verseau? Eh bien, c'est un mois très spécial pour tout le monde parce que cinq planètes, et ça c'est beaucoup, cinq planètes se trouvent dans une maison, dans la vie spécifiquement, une maison de la deuxième maison, c'est la maison de la poisson. Et ça veut dire quoi? La deuxième maison, pas la deuxième, mais la deuxième maison, c'est la maison de vos finances, c'est la maison de la confiance, c'est la maison de vos talents. Donc, surtout avec Mars, la planète de l'action, et le Soleil et Mercure, la planète de la communication, c'est possible que vous allez faire beaucoup d'énergie pour attirer un peu plus de l'argent peut-être. Et avec aussi Vénus, la planète qui attire des choses ou des personnes dans cette maison aux fins du mois, c'est possible d'attirer un peu plus de l'argent dans votre vie. Mais il faut faire des efforts parce que Mars est là-bas et le Soleil est là-bas. Donc c'est de faire des efforts soi-même pour attirer un peu plus de la sécurité. C'est la maison de la sécurité financière, mais c'est aussi la maison sur un autre niveau, la maison de la confiance. C'est le mois pour gagner de la confiance. On sait que c'est très très facile de perdre la confiance, mais c'est très difficile ou on doit faire ça pas sur pas pour améliorer la confiance. Et pour les Verseaux, c'est vraiment le moment pour faire le focus sur ça, pour faire le focus d'être assertif, pour reconnaître ses propres talents. Et si vous faites ça, pour les mois qui vont, le mois de mars et avril, on va faire beaucoup de fruits. Si on fait ça. Donc pour les Verseaux, je vous souhaite tout le bien pour le mois de février et à la prochaine. Au revoir.